la Côte d'Ivoire est dans son vieux talon et tout, je dis, je ne peux pas, je ne peux pas les aider. Hein. Mais les jours où je vais devenir président de la FIFA, là, je connais tout le monde. On m'appelle, il dit Diallo, je suis un grand homme d'affaires. J'ai les moyens, les propres sur l'heure, il n'y a pas de cas, il n'y a rien, je ne viens pas les donner un peu. Non, mais les jours où je vais président là, je suis là, je les donne. C'est quoi ça? Mais on est où là? Il faut que les gens se mettent à travailler un peu. On va aller te saouler même pour te mettre là-bas, tu vas même pas te battre. Il faut qu'on sorte de ce genre de choses-là. Je vous dis, c'est ça, le défi, c'est dit, il faut aller. Parce que c'est ce que vous appelez la majorité silencieuse. Là. Et là, ils ont besoin de quelqu'un pour parler pour le défi, voilà. Là, on est cette plateforme-là. On va mettre en place une plateforme, un comité formé de personnalités et tout. On va aller vers les gens pour leur parler. Ce n'est pas pour leur dire qu'on va faire la paix. Ce n'est pas pour leur dire qu'on va s'entendre. Et pour leur dire que s'ils ont la compétence, ils n'ont qu'à mettre ensemble pour le bien des gens. Sinon, nous, là, on a la compétence. On va l'enlever. Et puis, on va s'organiser. Le président de corps peut faire le comité exécutif. 18 présidents de corps pour prendre la situation. Voilà, je vous ai donné une technique. Il n'y a rien. Dites seulement qu'il dit. Vous pouvez. Et puis, il n'y a pas un qui prend son argent pour gérer la fédération. Qui a dit qu'il prend son argent? Il prend. C'est faux. Moi, je suis dans la fédération depuis combien d'années? Je paye 50 millions. Un moment, je vais être président, je dis paye 100 millions. Où tu en as enlevé là? Maintenant, pourquoi tu n'as pas payé les 50, les 100 millions là depuis 7 ans là-bas? Je dis, bon, moi, je fais un projet après la renaissance. Je vais renaître les gens. Il y a les sponsors. Mais les sponsors là, il faut les faire venir. Moi, je m'appelle Didier Drogba, j'ai tous les gens. J'ai fait là, à l'hôtel du Bois ici. J'ai fait descendre tous mes sponsors. Je n'ai même pas besoin de vous dire bonjour. Vous, demain là, vous allez voter pour moi. Ceux qui veulent être présents dans ces là, ils sont là, eux tous pour le bien des clubs, des joueurs, du football ivoirien. C'est ça leur objectif, non? Donc, qu'à arrêter leurs paroles. Donc, qu'à arrêter leurs trucs, on se bat, on s'attaque et tout, on sort l'argent, je ne sais pas d'où, on fait des réunions. On n'a qu'à laisser ça. Ils n'ont qu'à être sérieux, ils ont des compétences, oui, je reconnais, ils ont des compétences, comme les présidents de club ont des compétences, les joueurs même là, ont des compétences, on n'a qu'à mettre ces compétences ensemble pour une fille forte. Donc nous allons concrètement offrir cette plateforme de discussion. Vous avez vu le tableau que nous avons peint et dépeint, le tableau est sombre, il est macabre. Et vu la situation dans laquelle notre pays est, avec tous ces défis à relever, le défi sur le plan politique, le défi sur le plan social, le défi sur le plan sportif et tout le reste, vraiment, il y a beaucoup. Et Ivoire, vous savez, c'est la Côte d'Ivoire, c'est ça, et c'est le défi Ivoire. La Côte d'Ivoire est en train d'aller dans un précipice. Il faut rapidement mettre la main. Il faut des voies intermédiaires. Il faut des gens qui viennent pour fédérer les compétences. Il faut des gens qui viennent pour apaiser, pour permettre aux gens de se parler. Il faut que les gens se parlent. Il faut que les compétences se mettent ensemble pour le bien des Ivoiriens.